Bonjour les Bonzaïka, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on est en partance pour le Japon. Je suis avec Gabi. On va faire un séjour pendant 14 jours au Japon. En tout, ça va faire presque 16 jours de voyage. Les 2 jours de route, oui. Avec les 2 jours de route en fait d'avion, hein, parce que bien sûr là ça va être pas mal d'heures d'avion. Donc on est en partance là, on est à Bordeaux, à l'aéroport. On vient de faire l'enregistrement, le check-in pour les bagages. Donc bien rester dans les clous, c'est-à-dire 23 kilos de bagages en soute. Hein, on était limite, surtout moi. Hein. J'étais à 22,7 kg ce matin. Donc là, on va décoller à 9h45, direction Zurich, la Suisse. Et puis là, on va s'arrêter pendant presque 2 heures. Hein, donc on arrive à 11h30 à Zurich. On redécolle à Et 13h30. on redécolle à 13h30, donc on va manger un bout bien sûr, et puis on achètera quelques petits chocolats, je pense. Oui. Hein, voilà, et puis donc ensuite on redécolle et direction le Japon, et là on va arriver à l'heure de japonaise, donc à Tokyo Narita à 8h30. Ouais. Ce qui fera minuit Ce qui 30 fera ce minuit soir. 30 ce soir, donc en fait un décalage de 8 heures. Voilà, Et c'est à 8h qu'on doit dormir, qu'on dormira pas. voilà. Donc il va falloir qu'on trouve quand même du temps pour dormir, notamment dans l'avion, parce que sinon on va pas être bien demain, Oui, à mon avis. je pense que de toute manière, On sera pas au ne top. sera pas au top demain. Oui, parce que donc après qu'on arrive à Tokyo, ben, il y aura le débarquement, on va dire, et puis direction Tokyo, parce que c'est quand même Narita, l'aéroport est à 60 km de Tokyo, donc on va prendre le Skyliner, normalement. Si je ne me trompe pas. Et puis 60 km plus tard, on sera donc dans Tokyo et là on ira à Satakusa, là où on a notre hôtel, et où on fera une pause déjeuner. Voilà un petit peu le planning pour l'ensemble en fait de cette journée qui va être non-stop pour nous. Oui, ça va être. Il me tarde là, il me tarde d'arriver au Japon, quoi. Ouais. Pour moi, c'était quand même c'est un rêve un peu. Hein. Depuis toujours, tu as envie d'aller au Japon en fait. Ben oui, l'occasion s'est jamais vraiment présentée, quoi. Hein. Ouais. Donc voilà. Puis il faut bien l'admettre, c'est un coup, quoi. Oui, alors ça a un coût. Alors bon, on peut parler, hein, on va parler sans tabou, hein, dans nos vidéos. Donc bon, pour ce qui est du coût global, on a compté 4 000 euros à peu près en tout global, Chacun, hein. chacun. Ouais. 4 000 euros, c'est le prix du voyage pour les 16 jours. Dedans, on inclut l'avion, L'avion, ça coûte pas coûte. si cher que ça. Non, c'est 580, hein, je Voilà, crois. 598 euros pour. Alors, si vous prenez le billet 6 6 mois à mois à l'avance, l'avance, ouais. quoi, voilà. On est passé par la compagnie ANA, donc c'est en fait les Swissair. Voilà, et puis ensuite, eh ben, on va surtout se déplacer en métro, en bus et en train. Donc, on a pris aussi le rail pass qu'on appelle. Vous allez avoir des surprises, je pense, au cours de ce voyage que vous allez suivre avec nous. Mais bon, on vous en dit pas plus là. Pour l'instant, c'est le début. Hein. On va déjà Voilà. commencer par le voyage, et puis ensuite, eh bien, on pourra profiter chaque jour un petit peu plus de ces moments inoubliables. Voilà. Bon. Bon, prochain petit reportage À Zurich? à Zurich, Pour voilà. le chocolat? Ouais, pour le chocolat, ouais. Allez, c'est parti! Arrivé à l'aéroport de Tokyo Narita. Bon, on a fait un voyage quand même assez long, hein, parce que Long,
C'était pas super agréable en fait, hein, parce qu'on était serré. Bon, en classe économique, hein, forcément, ouais. Vous êtes en milieu de travée, donc bon, les emplacements sont quand même relativement petits. Bon, ça va, hein, ça se passe parce que bon, on a pu regarder quelques films. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on passe du jour à nuit-jour, quoi. Voilà. Hein? Parce que là, comme vous pouvez le constater, il fait jour. Ouais, et voilà l'heure française. Et ici, bah, il est 9h du matin. 9h30 du matin. Là, on vient de faire nos rail pass. Là, on prend le train en fait direction Asakusa. J'ai eu un peu de mal à le prononcer aussi, ça. Ouais. Mais bon, au final, il faut bien prononcer. Mais ici, ce qui est génial, c'est qu'on vous accueille. Tout le monde parle en anglais. Donc, si vous ne savez pas où aller parce que vous êtes paumé, il y a toujours un japonais qui est là, qui vous explique comment il faut prendre le train, le bus, le métro ou le taxi. On s'arrête devant une carte, on ouais. cherche, il y a quelqu'un qui débarque. De suite, il y a quelqu'un qui débarque. Pour nous expliquer. Ouais, ça, c'est vraiment agréable. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Donc voilà, et puis ils écoutent, voilà, même si vous ne parlez pas très bien l'anglais, ils écoutent, ils vous font répéter et ça passe très bien. Pour ce qui est du rail pass, c'est pareil, ils vous expliquent aussi, donc ouais. C'est quand même vachement bien aussi. Et puis, bon, je vous conseille hein, donc, de prendre un rail pass, de prendre la carte, une carte métro. Alors, vous en avez plusieurs. Vous la remplissez au fur et à mesure. On a changé l'argent aussi. On a changé les sous, bien entendu. Donc voilà, bien sûr, il faut considérer que vous prenez 7%, 8% ouais. Hein, qui reste à la banque, hein, malheureusement. Bah, oui. Voilà. Et puis, ben, maintenant, on va se diriger doucement vers l'hôtel pour se poser un petit peu et puis éventuellement déjeuner. Oui. Hein? Je voudrais que tu fasses un petit gros plan. On est au Japon. On est devant l'aéroport et on a des carpe koi là qui circulent. Vous avez une petite décoration. Alors bien sûr, hein, c'est quand même ambiance aéroport. Hein, donc il y a les bus qui passent à côté. Voilà, c'est vraiment gros aéroport, hein, Narita. Mais il y a déjà une petite touche de décoration qui présage, j'espère, quelques belles images à venir. Comme il fait bon et tout, on s'est décidé à aller se balader. On devait avoir la chambre en fait à midi, 1h, on avait compris ça, et puis en fait on l'a à 16h. Ouais. Donc, comme c'est souvent dans les hôtels, ouais, les pioles en fin d'après-midi. Donc on a décidé d'aller un petit peu se balader dans les rues de Tokyo. On est dans le quartier de Asakusa et on est en train de, bien justement, ben, de se balader. Alors on va vous montrer un petit peu, c'est vraiment étonnant parce que on est dans un monde moderne mais en même temps il y a des choses super traditionnelles au Japon et rien que ça déjà ça vaut le coup d'œil. C'est dommage, ils n'ont pas les odeurs. Oui, ça sent ça. Ça sent la... Pourtant il doit être 4h du matin là. Ouais, mais non, en fait ici, chez nous il est 5h du matin. Là maintenant, il est 4h54 exactement à Bordeaux. Et par contre, bah, ici, il est 13h. On va vous montrer un petit peu les magasins traditionnels japonais. Alors, vous voyez là, je suis dans une galerie, une sorte de galerie où il y a plein de magasins très très sympas. Alors, vous avez par exemple des magasins d'habits traditionnels japonais, comme ici par exemple. Voilà, avec des étoffes. Là également. Et alors de l'autre côté, on a carrément une boutique de sabres, de katana, etc. Alors là, pour les connaisseurs, je pense que là, c'est vraiment c'est super beau comme magasin ici. On va rentrer un petit peu. Voilà, vous avez bien entendu tout un tas de choix. De la coutellerie également. On peut voir ici quelques jolies pièces. Je vous montre un petit peu l'ambiance de la rue. Vous voyez, avec des femmes habillées de façon traditionnelle. Voilà, des écolières aussi qui sont habillées, qui ont un costume, parce qu'en fait, voilà, ici ils portent le costume. Et là, vous avez un magasin. Alors, celui-ci, là, c'est un magasin. Ils vendent des pinceaux, des brosses. Vous avez tout un tas de brosses
pour faire le ménage, etc. Et pour peindre, vous avez des pinceaux, vous avez des... Waouh, c'est... Voilà, vous avez des brosses à bonsaï également, vous voyez là, ici. Voilà, il y a des brosses coco. Et il y en a des différentes tailles, vous en avez des grandes tailles ici, là. Les brosses coco, voilà. Et encore d'autres. Un super magasin, quoi. Voilà, puis à côté, un magasin de nourriture, c'est des gâteaux, voilà, chaussures, et puis peinture traditionnelle. Oh, regardez, une gravure ici au fond, là, voilà, je la mets au centre, on reconnaît très bien cette gravure. Et on les arbres, voir le... t'as vu les arbres, c'est des ginkgo. Ouais, c'est des ginkgo biloba et les arbres. Hein. Alors, les arbres qu'il y a à côté du temple, là, vous voyez encore deux autres femmes qui passent en habit traditionnel. Là, il y en a encore deux autres qui passent. Il y a le pousse-pousse aussi. Ouais, il y a le pousse-pousse là devant, regardez ça. Là, c'est vraiment. Voilà, vous vous retrouvez presque dans une autre époque. Voilà, les écoliers qui passent, tous habillés en tenue aussi. Hein. Voilà, et puis regardez là, je vais vous montrer un truc incroyable. Vous avez un hibou, enfin c'est une chouette, alors je ne sais pas laquelle c'est. C'est quoi comme. C'est quoi, Gabi? C'est un hibou? Ouais, c'est un hibou, je ne sais pas exactement lequel. Ah ouais, c'est un hibou, donc la personne elle est devant, et puis comme ça elle fait des photos, les photos, je pense, pour les touristes, oui, avec son hibou, hein, c'est ça? Oui, hein, en France c'est interdit ça. En France ça c'est interdit, ouais, ouais. Mais là, ouais, ça c'est le Japon par exemple, vous avez. Voilà. Allez, je vous montre la rue. Assez incroyable quand même de voir autant de monde. On dirait, on pourrait ouais, comparer cette rue à la rue Sainte-Catherine, par exemple, à Bordeaux. Sauf qu'ici, à Tokyo, il y en a des tas des rues comme ça, quoi. Hein. Il y a beaucoup de femmes habillées en costume traditionnel. Là, ici, vous avez un magasin qui est spécialisé dans les peignes. Ouais, exactement. Dans les... Voilà. Ici, vous avez des peignes. Ici, vous avez d'autres barrettes à cheveux, par exemple. Tout en bois. Tenez, là, je vais vous montrer un magasin de couteaux, encore. Et il y a quelques outils japonais. Là, on peut voir, voilà, les outils japonais. Et ici, encore de la coutellerie magnifique, des lames. Voilà, et de la coutellerie de cuisine, des couteaux de cuisine japonais, bien sûr. Magnifique. Alors là, je vous fais un gros plan sur les présentations qu'on voit souvent devant les restaurants. En fait, eh bien, ils représentent déjà le plat, mais c'est tout en plastique. Voilà, comme ça, vous choisissez votre plat, même si vous ne connaissez pas la dénomination exacte du plat. Et vous pouvez comme ça choisir votre repas. Il n'y a pas besoin de savoir parler japonais. Je trouve ça très, très ingénieux. Et alors, on voit ça très souvent. Même la bière, elle est en plastique. Regardez ici, là, voilà, c'est une représentation de la bière. C'est pas un verre. Tout est en plastique en fait. Voilà. Et ici, vous avez un plat qui est un petit peu à part. Donc, je pense que ça va être la spécialité du restaurant. Voilà, tout est en plastique, c'est incroyable. Comme ça, vous voyez exactement ce que vous allez manger. 13h26.
Là, il est 13h26, ouais. Local. Ouais. Ouais, ouais. Là, on se balade depuis une petite heure. Mon téléphone, il s'est connecté. Ouais, il s'est connecté, ouais. Ah, parce qu'en plus, donc, on a pris une carte SIM prépayée qui nous garantit comme ça d'avoir des datas pendant, pendant les 15 jours qu'on va rester ici. Alors, vous allez sur le site de Vivre le Japon, tout simplement. Vous achetez vos cartes. Par exemple, le Rail Pass, vous achetez la carte SIM prépayée, vous achetez, vous pouvez même acheter la carte Passmo pour se déplacer, etc. Et vous avez tout un tas de, aussi de, d'adresses, etc. sur ce site. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Puis allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse le lien de Vivre le Japon. Je vais vous laisser aussi le lien, bien sûr, de Bonsai Shoin, d'Alexandre. Encore une fois, merci beaucoup, Alexandre. C'est grâce à lui que, eh bien, on a de très, très bonnes adresses et qu'on va pouvoir découvrir Tokyo et puis, bien sûr, l'ensemble du Japon. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Ciao.